Bienvenue dans les conseils techniques de Dorking. Aujourd'hui, nous verrons comment modifier les paramètres de votre système sur votre système 2112 Evolve. Commençons par nous connecter à dks2112.com. Maintenant que vous êtes connecté, accédez à « Gérer les systèmes » sous les « Actions disponibles » sur la gauche. Sur la page « Système d'entrée », cliquez sur « Modifier » dans la colonne « Paramètres » de votre compte. Sur la page « Paramètres du système d'entrée », vous pouvez nommer votre système ici. Définissez la longueur de votre code de répertoire entre 1 et 5 chiffres. Les codes d'annuaire sont utilisés lors de l'ajout de numéros de téléphone et de codes. Le réglage d'usine est à 3 chiffres. Vous pouvez également définir ici la longueur de votre code d'entrée sur 4 ou 5 chiffres. Le réglage d'usine est de 4 chiffres. La section suivante est le fuseau horaire du système 2112 Evolve. Si vous utilisez l'heure d'été, ce paramètre est important pour planifier et restreindre l'accès. La dernière section des paramètres du système consiste à nommer vos portes et à définir les heures de déclenchement. Le temps de frappe détermine la durée pendant laquelle votre système 2112 Evolve enverra un signal à la porte ou au portail. Gardez à l'esprit que la porte ou le portail peut avoir sa propre minuterie, ses horaires peuvent donc varier. Toutes nos félicitations! Vous avez configuré avec succès les paramètres de votre système 2112 Evolve. N'oubliez pas de cliquer sur « Soumettre » en bas à gauche pour envoyer ces informations à votre système 2112 Evolve. Nous vous reverrons la prochaine fois pour plus de conseils techniques d'Orking.